Bonjour à tous et bienvenue. Donc on va peut-être commencer par un petit jeu pour dire été contacté par l'OFAGE en fait pour animer des ateliers d'animation linguistique aujourd'hui. Le truc c'est de ne pas du tout être dans les choses scolaires, de ne pas écrire des choses sur un tableau, de ne pas leur demander de prendre un papier et un stylo, mais de faire des jeux, de faire des trucs qui soient rigolos, qui nous fassent bouger parce qu'on est aussi tôt le matin. Be it schlecht. J'enseigne le commerce international en BTS et mes étudiants ont des stages obligatoires à faire à l'étranger pendant 2 mois. Donc certains peuvent être intéressés par l'Allemagne. Ça donne un peu envie de partir parce que donc là c'est que la pratique. Et là si on est vraiment entouré dans le monde avec que des gens qui parlent allemand, etc., bah, on va forcément plus pratiquer et plus comprendre et s'améliorer. Notre premier objectif, c'est rendre possible une mobilité. On va vous présenter quelques dispositifs qui existent à l'OFAGE. Il y aura des classements par catégorie, par filière, par catégorie d'entreprise. Donc les secteurs d'activité. Par secteur d'activité, ensuite par région. Il faut regarder selon les différences. Wir haben den Fokus auf 3 Programme in unserem Bereich gestellt. Zum einen das Programm für Praktika in der Berufsausbildung, für Praktika außerhalb der Ausbildung, sozusagen die freiwilligen Praktika nach der Ausbildung, und das Programm Job in der Partnerstadt. Ce sont les stages qui les intéressent le plus, et puis quoi d'autre? Le volontariat. Je suis venue à l'OFAGE pour que mes élèves se rendent compte un peu comment on prépare un stage à l'étranger. Et qu'elle voit un peu la structure et qu'elle voit les gens, comment ça se passait dans la vraie vie. Quoi. Et pour revenir au volontariat, bah, ça serait pareil, vous seriez soit dans une famille, soit dans une colocation. En fait, ce qui serait compliqué, c'est la barrière de la langue, je pense. Mais c'est comme tout, nous, quand on est arrivé en France, on ne parlait pas très bien le français non plus. Hein. Wenn man erstmal eine Berufserfahrung gemacht hat, auch als Freiwilliger zum Beispiel, kann man eher Kompetenzen erwerben, kann man sehen, wie läuft das dann überhaupt. Gefällt mir überhaupt der Bereich? Und ich werde versuchen, mit den Schülern zu diskutieren, was sie überhaupt über den Freiwilligendienst wissen. Der ist nämlich in Frankreich nicht sehr bekannt. Mein Ziel des heutigen Workshops ist jetzt nicht, dass jeder hier mit einem perfekten Lebenslauf rausgeht. Dafür haben wir gar keine Zeit. Aber wirklich die Grundregeln anhand ganz simpler Beispiele nochmal zu verdeutlichen. Pour les stages, nous les recruteurs, ce qu'on préfère, ce sont des stages de longue durée, c'est-à-dire de 3 à 6 mois. Parce que les stages de... Travailler en binôme avec un professionnel qui nous montre, voilà, ça c'est un CV qui nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas. Évidemment, pour nous les enseignants, c'est aussi intéressant que pour les étudiants. Ça nous a montré ce qu'il fallait plus mettre en avant quand on partait à l'étranger. J'aimerais beaucoup repartir en Allemagne, c'est un pays que j'aime beaucoup cette langue. Et ça m'intéresserait de trouver un emploi là-bas. Ça s'est très bien passé, on a eu des groupes super motivés et on a réussi à faire beaucoup de choses dans le peu de temps qu'on avait. Oui, c'est vrai, ça fait plaisir quand on a eu un groupe et puis qu'on les entend après lire Gates entre eux et tout, c'est ça. Au revoir. C'était moins une information concernant nos programmes, concernant l'OFAGE qui intéressait les jeunes. C'était plutôt de savoir comment est-ce que concrètement ils allaient pouvoir trouver un stage et faire un stage en Allemagne dans une entreprise. C'est aussi un peu surprenant parce qu'on avait pensé que ce serait quelque chose de plus institutionnel et on s'est rendu compte qu'au contraire, c'était assez actif et interactif avec les jeunes. Deux, trois.